et frères bien-aimés, amis auditeurs, bienvenue à notre émission à la lumière de la Bible. Nous sommes à quelques jours de la fin de l'année. Le monde entier est en effervescence. Tous, petits et grands, riches et pauvres, païens et chrétiens, de toute tendance de toute dénomination se sont laissés hypnotiser amorcer et attiré par la noël dit-on l'anniversaire de la naissance de Jésus à son approche on commence à entendre de la musique appropriée les magasins sont ouverts les rues les places publiques les maisons et les églises sont décorées. Pour plus d'un, c'est la fête de l'amour et du partage. On s'offre des cadeaux. On achète de nouveaux vêtements. On profite de l'occasion de modifier l'apparence de sa maison, etc. Qui ne serait pas ébloui par la Noël mais pourquoi une faible minorité s'y oppose-t-elle Qu'est-ce qui est caché derrière cette fête, aussi populaire soit-elle Notre sujet pour vous aujourd'hui à pour titre quelle doit être l'attitude du chrétien face à la Noël Chrétien, c'est quoi? Le mot chrétien est d'origine gréco-latine, du grec christos et du latin christianos. Ce mot signifie partisan de Christ, membre de la famille de Christ, soldat de Christ, celui qui obéit à l'ordre de Christ. Et qui pratique ses enseignements. En acte des apôtres, chapitre 11, verset 26, nous lisons ce qui suit. Ce fut à Antioche pour la première fois que les disciples furent appelés chrétiens. Chers amis auditeurs, à Antioche, on a appelé les disciples de Jésus chrétiens. C'était pour les ioniser. Le vrai chrétien s'oppose à la tradition des hommes, quelle que soit sa provenance. Et il croit fermement à tout ce qui a un fondement biblique sûr. Ce qui est approuvé par Jésus, enseigné et pratiqué par les apôtres. Chers amis auditeurs, connaissez-vous l'origine de la Noël, du Père Noël et du Divin Enfant, de la crèche et de l'arbre vert, des guirlandes, des lumières et des cadeaux Pouvons-nous attacher une importance hautement spirituelle à cette fête Jésus est-il né un 25 décembre Peut-on souhaiter joyeux anniversaire à Jésus en cette période Quel rapport existe-t-il entre le Père Noël, Jésus et sa naissance Qui étaient les mages et quel en était le nombre Ces questions et bien d'autres. Nous allons les répondre à notre émission aujourd'hui. Quelle est l'origine du mot Noël? Du latin natalis, ce mot signifie nouveau, relatif à la naissance. Il vient de Noël, au temps où le U et le V se ressemblaient en latin. Noël. Nouvelle. Nouvelle. C'est l'appel à la nouveauté, à quelque chose de neuf. Selon certains symbolistes, le nom de Noël peut être attribué à la signification Nouvelle Elios. Nouveau Soleil. Chers amis auditeurs, le 25 décembre, c'est le jour où le Soleil passe beaucoup plus de temps dans le ciel à nous éclairer. Donc, on a attribué à ce jour la renaissance du Soleil. C'était comme une nouvelle naissance pour le Soleil. Pour un initié en franc-maçon, dire que Jésus est né de la Vierge Marie. Cela représente pour lui astrologiquement la position du soleil dans le ciel le 25 décembre dans la constellation de la Vierge à minuit. Pour monde qui fête sorti 24 août arrivé 23 septembre Genèralman yo di moun sa gen kom sin yon zodiakal la Vierge. Vierge se yon nan douz konstelasyon di zodiak ke sole la semblet raverse panan aneya. La ankor se yon ambirasyon. Par le fet ke gen douz mwan nan aneya, Monsi astroloji yo parle de douze konstelasyon di zodiak e le yo fè yon etude astronomik yo jwen nan genyen treze konstelasyon dan le zodiak. Chazami auditeur, tou nè ke mensonj. La Noël et tous ki l'akompanyan ne son ke de kont de fè monter de toutes pièces dans le but de tromper, de soutirer de l'argent où des gens fortunés deviennent plus riches. Amis auditeurs, tout ça qui accompagnait la Noël, c'est causé pour faire Timoun et monsieur profiter pour faire goût l'argent. Tout ce que nous affirmons comme point de doctrine doit être soumis à l'épreuve de la parole de Dieu à la lumière de la Bible. Amis, tout ça qui n'a pas référence biblique sûre, qui n'a pas il est écrit là-dedans, nous devons les rejeter d'un revers de main. Esaïe, chapitre 8, verset 20. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Texte original l'a dit À la Torah, c'est-à-dire aux cinq livres de Moïse, et à l'acte de l'Alliance, à savoir les dix commandements, si l'on ne parle pas ainsi. Il n'y aura point d'or pour le peuple. Chers amis auditeurs, la naissance de Jésus est une réalité biblique et historique. Il n'est pas un secret pour personne que Jésus est né d'une femme vierge qui n'a point connu d'homme. Jésus est né à Bethléem, suivant les prédictions de l'Ancien Testament et la réalisation prophétique du Nouveau Testament. Nous sommes en Michée chapitre 5, verset 1er. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi. Celui qui dominera sur Israël. Nous venons de lire Miché 5, verset 1er. Ancien Testament, dire que Jésus a fait Bethléem. Elle pourra le dominer comme moi sur Israël. Matthieu chapitre 2, verset 1 et 2. Jésus est né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Voici, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem, verset 2, et dirent Où est le roi des Juifs qui vient de naître Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Amis, c'est clair. Michel 5, verset 1er, dit que Jésus a fait Bethléem et l'a dominé. Comme moi sur Israël, Matthieu chapitre 2, verset 1 et 2, exactement Jésus fait à Bethléem et les mages, ils ont vini pour adorer le roi des Juifs. Donc, la Bible n'a jamais donné aucune précision sur la date exacte de la naissance de Jésus. Elle est donnée historique et les données historiques et scientifiques augmente davantage les incertitudes quant à la fixation d'une quelconque date. La naissance du protestantisme. Chers amis auditeurs, après la mort du dernier apôtre, à savoir l'apôtre Jean, les pères de l'Église il prend la relève. Monsieur, profitez, ajoutez dans la Bible, ajoutez comme point de doctrine des choses que ni Jésus ni les apôtres n'ont enseignées. Maintenant, Martin Luther, un moine et théologien allemand, a protesté contre les fables habilement conçu de la grande église qui a enseigné le salut par les œuvres. Géon prêtre dominicain qui relève Yohan Tetzel, monsieur, c'était le champion de la vente des indulgences. organisé une cérémonie lorsque mon payait gros l'argent. yo pren nan moun ki nan l'anfeya, yo depoze l dan le piogatoar. Mètnen moun yo verse on lot son d'arjan. Yon lot seremoni fèt, retire moun an nan an piogatoar, e depoze l nan paradi, pwoske l'Eglise Katolik di Klea, se nan men Saint-Pierre-Culier. Avèk set arjan, On a construit la basilique Saint-Pierre de Rome. Maintenant, le 31 octobre 1517, veille de la Saint, ce n'est pas une date qui était choisie au hasard. Luther, connaît Monio à la messe, il a versé de fortes sommes d'argent dans la vente des indulgences. Luther a écrit et placardé à la porte de l'église de Wittenberg les 95 thèses sur la justification par la foi. Vigne scission. L'église la divisée. Le 19 avril 1529 le protestantisme est né. D'une part, ou rencontrer le bloc du catholicisme et d'autre part, le bloc du protestantisme. Malheureusement, de nos jours, nous sommes en train d'assister à un revirement. L'église protestante qui était séparée de l'église catholique retournait en dépit de tout à la mère église en acceptant les vieilles coutumes non bibliques imposées par l'Église catholique romaine. De Pierre chapitre 2 versets 21 et 22. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Verset 22. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie l'avait s'est vautrée dans le bourbier. Amis, la Bible utilisait un langage qui fort. Chien. Tounen manje yon bagay ke lte vomi. Ti koshon an, Mem sou fin lavel, Ou ben yen li, Tounen nan, nan la bou anko. E se sa krive l'Eglise protestante, Ki se apostazye. Yo tounen a jwen l'Eglise katolik anko. Indirektman loske yo aksepte, Le fos doktrine, non biblique. Maintenant, si la Noël n'a aucun fondement biblique, peut-on l'ajouter comme fête chrétienne post apostolique à la Bible Osée chapitre 4 le verset 6. Mon peuple sera réduit au silence faute de connaissance. Amis auditeurs, Gyan pil moun ka pratike le fos doktrine de la Babylon spirituel, se paske yo pa konen. Men mbo garanti, le jou ou zye yo kleri, y ap kite l'eglise sa yo pou yo fer parti de l'eglise fidel e veritable. Nan yon citasyon ke nou jwen nan, Ancient Church, page 6 et 7. Nous lisons pour vous. Dans l'intervalle entre l'époque des apôtres et la conversion de Constantin, des rites et des cérémonies dont ni Paul ni Pierre n'avaient jamais entendu parler s'introduisirent subtilement dans les mœurs, puis sa rojer de titre d'institisyon divin. Zami, goun ban fos doktrin, an pil fet ki rentre l'egliz, l'apotre Paul, l'apotre Pierre Pat, jam konen yo. E jounen jodi ya, yo telman an krenan moun yo, yo fer parti des institutions divines. Peut-on ajouter quelque chose dans le Saint-Livre que le Saint-Esprit aurait oublié amis, est-ce que nous sommes capables d'ajouter dans le Bible un fait, une doctrine que le Saint-Esprit peut être établi Apocalypse 22, versets 18 et 19. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre, verset 19. Et si quelqu'un retranche quelque chose, des paroles du livre de cette prophétie. Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Amis, Saint Esprit pas blier en yen. Saint Esprit pas blier en rien. Saint Esprit pas jamais blier en yen. Il est Dieu, il n'est pas capable blier en rien. Chers amis auditeurs, Jésus n'est pas né un 25 décembre. Nulle part dans la Bible, il n'est fait allusion à Noël. Jamais ce jour ne fut observé par aucun des apôtres jusqu'à la mort de Jean. Jésus a fait choix de douze hommes qui allaient être les principaux dirigeants de l'Église. Judas s'est suicidé avant la mort de Jésus. Maintenant, Jésus est mort, il est ressuscité et il est monté au ciel. Les apôtres réunis, on a fait choix de Matthias pour remplacer Judas. Alors même si Paul est devenu apôtre selon la volonté de Dieu, parmi les apôtres, Jacques est mort en premier, en l'an 44, par héros d'Agrippa. Acte des apôtres, chapitre 12, versets 1 et 2. Jean, c'est dernier apôtre qui mourut. En l'an 96 ou 101, après Jésus-Christ. Certains historiens parlent de Domitien. Domitien est mort en l'an 96. Mais l'histoire révélée, après la mort de Domitien, Nerva montait au pouvoir. Après avoir écrit l'Apocalypse, Nerva permet à Jean de tourner à Éphèse. Et Nerva n'a pas fait en pile au pouvoir. Après Nerva, l'empereur Trajan montait au pouvoir. Donc, la date la plus plausible serait l'an 101 pour la mort de Jean. Maintenant, les membres de l'Église primitive. Il n'y a pas de jamais fêté la Noël. Tout ça qui finit après que Jean-Fin clôturer le livre de l'Apocalypse, ce sont des coutumes, des traditions humaines. Par contre, plusieurs tentatives ont été faites pour introduire subtilement à l'église de Jésus-Christ des traditions humaines des fables habilement conçues qui finiront par être acceptées par la majorité du christianisme. Amis auditeurs, en pile fois n'a posé tête non question. Dans le monde protestant, il existe de grands pasteurs. Des hommes formés qui ont fait de grandes études, qui ont décroché des doctorats. Mais comment sont-ils devenus aussi aveugles en acceptant la date du 25 décembre comme l'anniversaire de la naissance de Jésus Comme vous le savez, la majorité n'a pas toujours raison. Et pourtant, cette date a longtemps déjà été consacré depuis l'Antiquité à un culte païen au solstice d'hiver antérieur de plus de 1500 ans au christianisme primitif amis auditeurs 1500 ans avant le christianisme primitif cette date cette fête du 25 décembre était célébrée à un culte païen. Mais elle a connu son apogée à Rome le 25 décembre avec les Saturnales et en Égypte le 6 janvier. Les Saturnales étaient célébrées à Rome du 17 au 24 décembre en l'honneur de Saturne. Dieu des semailles et de l'agriculture, fête de la liberté et du monde à l'envers. Dans la mythologie égyptienne, Ré ou Ra symbolise le soleil invaincu, le feu divin dans la dynastie des pharaons et Osiris, inventeur de l'agriculture de la religion et le Dieu qui préside au jugement des morts. amis auditeurs, mais qui s'acte qu'on fêtait dans l'Antiquité le 25 décembre Que la grande Église vienne associer avec la date de la naissance de Jésus. Mais pourquoi Égypte et Rome. Le peuple de Dieu a été retenu captif par Pharaon en Égypte pendant environ 400 ans d'esclavage. Rome sera sous l'influence du dragon, l'auteur de la grande persécution finale soutenue par le protestantisme apostat. Amis auditeurs, l'histoire se répétera. Israël est en captivité en Égypte. Rome, c'est lui qui est venu avec grande persécution au son généron qui a brûlé la ville de Rome, qui a accusé les chrétiens qui ont été torturés, sciés, brûlés vifs, dévorés par des lions. Rome, c'est lui-même qui auteur persécution. Qui doit venir avant le retour de Jésus. Nous allons lire pour une citation que nous joignons dans l'histoire de l'Église. Deuxième siècle, chapitre 2, section 7. Le christianisme devint une religion instituée dans l'Empire romain et prit la place du paganisme. Le christianisme, tel qu'il était au cours de l'âge des ténèbres, pourrait être qualifié de paganisme baptisé. Amis auditeurs, l'Église visible prend naissance le jour de la Pentecôte inaugurée par le Saint-Esprit. Mais après la mort de Jean, les pères de l'Église viennent introduire à l'Église de Jésus-Christ des fêtes païennes. Et maintenant, l'homme de Vatican. Vini, mon cap surveillé à l'exécution de ces fausses doctrines, qui malheureusement, acceptées par le protestantisme apostat. Jésus est-il né en hiver, selon l'approche de l'Église catholique romaine, acceptée par le protestantisme apostat? Luc chapitre 2, les versets 6 à 8. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Amis auditeurs, le texte nous dit, pendant qu'ils étaient là, donc il y a plusieurs événements qui permettent que Marie, avec Joseph, en descende Jérusalem. Nous sommes au verset 7. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'a maillotée et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Joseph, avec Marie, guettant descend de Jérusalem, tranché pour Marie. Joseph fait des manches pour joindre nos chambres, l'hôtel pour louer. Pas de place. Villa occupée. Tout le monde sous activité. Chers amis, je m'imagine Jésus de Nazareth, celui qui allait sauver l'humanité de ses péchés, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le souverain maître de l'univers, pral prend naissance par une place polie, pas même une femme sage. mari oblige al akouche nan pakbet. Nou som ou verset 8. Il y ave dan set menm kontre, de berje ki pase dan le chan, le vey de la nwi, pou garde lor troupeau. L'ukler nan menm zon lan, gen berje ki tap dormi a la bel etoal, tan te bon, yo tap profite pou souveye mouton ki yo genye. En Israël, la température varie dans les mois de décembre à janvier de 4 degrés à 12 degrés Celsius. Pendant la saison d'hiver, il serait impossible aux bergers de garder leur troupeau en pleine nature dans le foie d'hiver. Chers amis auditeurs, généralement, dans les pays tempérés, dans des conditions climatiques extrêmes, on a l'habitude de protéger les troupeaux, les mettre à l'abri contre le foie. Amis auditeurs, époque hiver, généralement, moutons, toujours fermés en côté pour réchauffer. Comment Marie donnerait-elle naissance à l'enfant Jésus dans une mangeoire dans le foie d'hiver. Chers amis auditeurs, d'après les calculs, il est probable que Jésus soit né en automne, jamais en hiver. Pourquoi en automne? Premièrement, Luc 2, verset 8 indique que les troupeaux étaient dans les champs cette nuit-là. Généralement, troupeaux ont toujours entré en hiver. À compter de la mi-octobre jusqu'à la mi-mars. Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mi-mars. Il y en en côté. Deuxièmement, Jean-Baptiste est né six mois avant Jésus. Dans le calendrier juif. Dans le second mois, appelé Ziv. Actuellement, ce second mois est appelé Liar. Il correspond à avril ou mai dans notre calendrier. Luc 1er, 24 à 26 et le verset 36. Troisièmement, Jésus est né pendant la période de la fête des tabernacles. Lévitique 23, 34 à 44, au septième mois du calendrier juif, qui correspond à septembre ou octobre dans notre calendrier Zami lévitique 23 34 à 44 clairement dit que la fête des tabernacles qu'on fêtait au septième mois mais quantité activité que en jérusalem les gens profitaient de ce voyage pour payer leur impôt Tégé recensement, selon Luc 2, 1 à 5, et la fête des tabernacles, tous juifs toujours descendent de Jérusalem Est-ce pourquoi qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie? Donc, la naissance du Christ a dû avoir lieu tôt en automne. La date exacte de sa naissance reste inconnu La vérité sur la Noël Chers amis auditeurs, il existe une vérité sur la Noël. À qui veut l'entendre. Elle n'est pas le jour de l'anniversaire de la naissance de Jésus. Cette fête considérée par beaucoup comme tellement importante n'est pas d'origine chrétienne, mais Païenne et babylonienne. Tout le monde est d'accord que la date de la naissance de Jésus reste inconnue jusqu'à présent. La grande Église fait projection sur l'an zéro de la naissance de Jésus. Or, l'an zéro n'existe pas ni dans le calendrier grégorien, ni dans le calendrier de Julien. Cette erreur est due à un moine au VIe siècle qui a fixé le début de l'ère chrétienne en l'an 754 de la fondation de Rome. Chers amis auditeurs, Matthieu chapitre 2 verset 1er, clair, les signalait que la naissance de Jésus a eu lieu sous Hérode le Grand. Or, Hérode est mort en 751. Avant cette fondation. Donc, Jésus est né en réalité quatre ans avant l'ère chrétienne. Comment fêter la date de naissance de quelqu'un qui a existé de toute éternité, selon Michée chapitre 5, verset 1er? Chers amis auditeurs, la Noël est un phénomène ésotérique. Ensemble de mouvements. Et de doctrines relevant d'un enseignement caché, souvent accessible par l'intermédiaire d'une initiation. C'est quelque chose qui est peu compréhensible par le commun des mortels. C'est un phénomène consistant à déifier un astre, le révérer, l'adorer comme un dieu. Amis auditeurs en essayez de comprendre. Si la date de la naissance de Jésus reste inconnue, pour qui ça n'est pas tombé n'importe l'autre date na l'année? Pourquoi le 25 décembre? Comme nous venons de le mentionner, le 25 décembre est le solstice d'hiver. C'est le jour où le soleil passe beaucoup plus de temps dans le ciel à nous éclairer. Et le solstice d'hiver arrivait en réalité le 21 décembre. Là encore, l'Église catholique admet une erreur et a cédé la place à la fête de la Nativité, d'où la Noël le 25 décembre. Donc, si cette date n'est pas mentionnée dans la Bible, elle est venue après la mort de Jean. Et seulement les données historiques peuvent faire luire la lumière. Chers amis auditeurs, que s'était-il passé le 25 décembre? Avant de fêter Noël au 2e et 3e siècle après Jésus-Christ, à Rome, on célébrait aussi un culte en l'honneur de Mitra. Mitra, c'est la divinité perse de la lumière. Et 25 décembre était alors le solstice d'hiver, jour de la renaissance du soleil. Étant donné que le soleil a passé en pile dans le ciel à Clérino, c'était comme une nouvelle naissance pour le soleil. Donc, le 25 décembre, c'est le jour de Mitra, « sol Invictus le soleil est vaincu et à Rome, il était pris habitude sacrifier un taureau en l'honneur de Mitra le 25 décembre avant cette fausse date de la naissance de Jésus. Notez bien, le soleil est vaincu. C'est le patron principal de l'Empire romain. Il est représenté par un disque solaire. Et est devenu l'auréole des saints vénérés par la Grande Église. Zami auditeurs, à chaque image saint que vous avez dans l'Église catholique, vous en arrière-plan des tétio gagné un disque solaire. C'est le symbole du mitracisme, le faux Dieu de la lumière. Maintenant, si le 25 décembre de chaque année en Orient, on rendait déjà un culte, en l'honneur de Mitra, c'était dans le but de rivaliser avec le vrai Dieu, le Père des Lumières. Jacques 1, verset 17 « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Qui a pris l'initiative de fixer la date de la naissance de Jésus au 25 décembre Amis auditeurs, en pile fois, nous avons rencontré quelques protestants. Ils nous "Étant donné que Jésus était fait une date quand même, eh bien, nous le 25 décembre." En pile fois, mon qu'on peur, fait l'histoire. En l'an 180 après Jésus-Christ, on a assisté à la première tentative d'introduire la Noël comme une fête chrétienne. Jésus n'était pas là, les apôtres non plus. Les pères de l'Église qui viennent remplacer les apôtres fait tentative pour introduire la date de la naissance de Jésus au 25 décembre. Ça n'a pas marché. C'est vers 330 que l'empereur Constantin fixa lui-même cette date au 25 décembre. Amis auditeurs, même Constantin qui t'a officialisé le dimanche comme jour de culte officiel, le 7 mars 321, même Constantin, ça a imposé 25 décembre comme l'anniversaire de la naissance de Jésus. Maintenant, qui raison que t'es fait Constantin choisi 25 décembre? Avant de se faire convertir au christianisme, Constantin était qu'on adoré Mitra, le dieu perse de la lumière, qui était célébrait célébré le 25 décembre. Converti au christianisme, Constantin associé le 25 décembre de Mitra à la naissance de Jésus. En l'an 350, le pape Jules Ier renforçait cette date. Mais ce n'est qu'en l'an 354, sous le pape Libérius, que la fête de la naissance du Christ fut reconnue à Rome le 25 décembre. Amis auditeurs, Rome allait encore plus loin, vers les 4e et 5e siècles. L'Église catholique romaine vient à ordonner que Noël soit célébré en tant que fête officielle du christianisme. Dimension 25 décembre, Vigne, prions ampleur mondiale. Rome ordonné imposer que le monde entier. Doué célébrer et malheureusement le christianisme accepté-le Peut-on être disciple de Jésus-Christ et accepter une fête non biblique autorisée par la Babylone spirituelle? Peut-on rejeter le dimanche qui s'oppose au Saint-Sabbat de l'Éternel et accueillir à bras ouverts la Noël? Alors que tous les deux portent l'empreinte de Constantin. Chers amis auditeurs, le catholicisme et le protestantisme apostat s'enfoncent dans l'erreur. En l'an 326 après Jésus-Christ, Hélène, impératrice romaine, épouse de Constance Chlore et mère de Constantin, fit bâtir une église. Au-dessus d'une caverne de Bethléem, considérée comme l'étable de la nativité. amis. ce n'est pas Constantin seulement qui envoie dans la situation. Maman, Hélène, allait à Jérusalem, à Bethléem, les choisit un côté. Il dit c'est là, même Jésus te prenait naissance. c'est dans la place. Elle fait Construire l'Église. Notamment, encore Hélène, la maman de Constantin. C'est à lui-même l'Église catholique attribuer l'invention de la croix du Christ. Amis, recherche yon prouvé que croix Jésus a été forme yon T majuscule. Hélène, inventé question quoi ça a? Elle mettait quatre pointes là-dedans. Et c'est ça que fait journée Jodia. l'Église catholique t'est venue avec question, signe de la croix. En l'an 1560, au moment de la réforme, l'Église protestante refusait de présenter la nativité par une crèche comme l'Église catholique. Ils ont remplacé par un sapin de Noël qui symbolisait le paradis d'Adam et Ève et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Zanmi auditeur, à Rome, la basilique de Saint-Clément possède aujourd'hui encore dans ses sous-sols des vestiges d'un temple en l'honneur de Mithra, le dieu perse de la lumière. Quelles sont les origines du sapin de Noël que nous rencontrons aujourd'hui hein, dans les rues, dans les maisons privées, malheureusement dans certaines églises Premièrement, l'origine du sapin, arbre vert remonte depuis la nuit des temps où Nemrod, fils de Cush, fils de Cam, fils de Noé, Némrod épousait sa propre mère, Sémiramis. Amis, le nom de Nemrod signifie le chasseur, rebelle. C'est l'un des fondateurs du franc-maçon. Nimrod épousait proprement maman. L'Éternel enlevait la vie de Nimrod de très tôt. Il est mort très jeune. Après sa mort, sa mère épouse a dressé un arbre vert afin que l'esprit de son fils. Son enfant époux, son mari viennent habiter avec lui, amis. Depuis à cette époque, l'arbre vert, le sapin, symbolisait l'interpellation. Deuxièmement, on parle encore de cet arbre vert entre 2000 et 1200 ans avant Jésus-Christ l'épicéa l'arbre de l'enfantement qui était dressé le 24 décembre lors du rite pain du solstice d'hiver. Amis, l'arbre de Noël moderne que nous rencontrons aujourd'hui à côté de le sortie Le premier arbre de Noël que nous connaissons est apparu en Alsace, en France, en 1521 et à faire le tour du monde jusqu'à pénétrer dans les foyers, les administrations publiques, les administrations privées, et même dans certaines églises chrétiennes. Que dit la Bible à ce sujet Jérémie chapitre 10, les versets 1 à 5. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Verset 2. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel parce que les nations les craignent. Verset 3. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt. La main de l'ouvrier le travaille avec la hache. Verset 4. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. On le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Verset 5. Ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas car ils ne sauraient faire aucun mal et ils sont incapables de faire du bien. Amis auditeurs, depuis en Jérémie 10, verset 5, la Bible a fait des prédictions sur cette question. Et la guirlande qui décorait l'arbre de Noël, côté question, ça a sorti. a les gens qui racontaient, une maman en Allemagne, passionné du Père Noël, magicien, eh bien, il temps passage Père Noël qui te doit venir déposer cadeau au pied du sapin. Étant donné que Père Noël prend temps pour le vini, eh bien, l'arbre de Noël est rempli avec une quantité de fils d'araignée. Pendant que Maman Abdomi, et c'est la légende qui raconte, Père Noël vini lit touche fil alenye yo, e yo transforme an fil d'or e arjan, e yo komanse absentiye. Zanmi yo dite, mesak andre la kay nou, mesak ap dekore l'eglize, mesak rente nan tout administrasyon jounen joudia, de chouz, payen, non, biblik. Ki ete an realite, le père noël. Chers amis auditeurs, c'est Saint Nicolas, Santa Claus qui a inspiré le Père Noël. Il était évêque de Myre, un saint honoré par les Grecs et les Latins. En 1822, le pasteur américain Clément Clark Moore a remplacé Saint-Nicolas par un personnage à longue barbe blanche et un brunet rouge. Les amis auditeurs, qui rapport qui existait entre l'enfant Jésus et ce personnage, d'où vient la tradition d'offrir les cadeaux le jour de la Noël? En pile le monde pensait par le fait que les mages visité Jésus et portaient cadeaux pour lui. Et bien de génération en génération, coutume s'arrêtait. Et puis la Noël est devenue la fête de l'amour et du partage. On a attribué à l'origine la vieille coutume de faire des cadeaux le soir de la Saint Nicolas, le 6 décembre. Cette date maintenant fut transférée par la suite. Dans la nuit du 24 au 25 décembre, jour de la Noël. En 1809, l'écrivain Washington Irving décrivit les déplacements aériens de Saint-Nicolas pour la traditionnelle distribution des cadeaux. Zami. si je ne dis où est Père Noël, non chariot à voler les cadeaux. C'est une invention de l'écrivain Washington Irving en 1809. Chers amis auditeurs, un vrai chrétien doit être généreux. Il doit livrer son cœur au partage. Il doit honorer son prochain à tout moment, à la longueur de l'année. Et monde qui dit c'est chrétien Doué apprendre par ce qui est meilleur que le possédé. Amis auditeurs, nous ne devons pas rentrer dans logique de cadeau 25 décembre chaque année à la manière du monde. Que signifie Christmas Ce mot signifie Messe du Christ, célébrée vers les années 1700. Donc pour les Américains, Saint Nicolas est le véritable Père Noël en allemand Santa qui devient Santa Claus. Pendant les périodes de Christmas, les prêtres y ont organisé une cérémonie liturgique au cours de laquelle ils ont profité par la communion. Les sacrements. Les litanies, des suites de prières offertes au sein et à la Vierge Marie. Il y a tant de minuit rivé pour son écloche. Et malheureusement, le protestantisme apostat, dans la période, ça descend à genoux. Il y a dit bon Dieu merci pour la naissance de Jésus. Chers amis auditeurs, la Noël, Christmas, Messe du Christ, est symbolisée par la superstition, l'idolâtrie la magie, la messe de minuit, les cadeaux, la crèche qui finit vers l'an 1600. Pourquoi le Père Noël porte-t-il un manteau rouge et blanc? Chers amis auditeurs, le Père Noël habillé en rouge et blanc est une invention de la firme Coca-Cola. <laughs> Autrefois, Père Noël était qu'on habillé en brun. Vêtements, ça a été évoqué l'ordre monastique. Donc Père Noël dans un premier temps était moine. Il a fallu attendre 1931 où à Danson Blum sur demande de la firme Coca-Cola dessiner et habiller le Père Noël avec rouge et blanc. kouleur Coca-Cola kote Père Noël ap distribuye kado ou zanfan. Zanmi ou dite, koman nou rive bay ti moun yo manti? Poun di yo se panda yo tap domi, Père Noël glisse an baz oreye yo kado ke paran yo men yo achete. Ki e le Divin enfant ou qui symbolise le divin enfant? Si bébé ça où oué couché dans la crèche là, dans les yeux pas c'est à l'enfant Jésus. Mais en réalité, qui est le divin enfant? Il est d'origine liturgique catholique romaine qui, selon la chronique, révère Nemrod, celui qui s'est rebellé contre Dieu. Et non en réalité, l'enfant Jésus. Amis auditeurs, l'image Images ça, ou rencontrez dans la culture du vaudou haïtien, où est une maman avec un petit bébé dans elle. Maman ça symbolise Erzulie et l'enfant les symbolise Nemoud les mages étaient-ils effectivement trois? Chers amis auditeurs, la tradition révèle que trois rois mages ont visité l'enfant Jésus et au même rivé nom, Melchior, Gaspard, Balthazar. Cependant, la Bible pas jamais dit que j'étais toi. Et la Bible n'a jamais roi. On suppose qu'ils étaient toi parce que es offrir à Jésus l'or, l'encens et la myrrhe. Le terme original grec, magoi, signifie astrologue magicien. Ces hommes ils ont visité l'enfant Jésus non pas dans les tables, mais à la maison du couple selon Matthieu 2, verset 11. Très tôt dans l'église primitive, on a vu en eux les premiers adorateurs du Christ d'origine païenne. Ils étaient capables de, trois, ils capables plus tôt. Il était offrir Jésus, l'or qui symbolisait la royauté, l'encens qui symbolise la fonction sacerdotale, et la mire qui prouvait que Jésus prenait le prophète. Est-ce que en réalité, c'est une étoile qui t'a guidé les mages? Matthieu chapitre 2, versets 8 et 9. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Verset 9. Et après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'elle arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant elle arrêta Zami Matthieu chapitre 2 versets 8 et 9 dit que Magio une étoile là depuis lorsque était en orient et c'est létoile ça qui guide, yo, qui rivait sous tête là et qui campait pour capable orienter les mages qui étaient les mages? C'étaient des magiciens, des astrologues. Pour les anciens, les étoiles étaient des êtres divins. Et chaque être humain possédait une étoile. Zami en allait dans le domaine scientifique. Nous allons considérer l'astronomie. La plus petite étoile de notre galaxie, l'irré les OGLE-TR-122B. Cette plus petite étoile de notre galaxie, est 96 fois plus massive que Jupiter. Jupiter lui-même a fait 318 fois la masse de la Terre. Les amis, on essaie de comprendre. Il est complètement impossible, pour une étoile qui est 96 fois plus massive que Jupiter, Jupiter lui-même 318 fois plus massive que la Terre, pour étoile, ça vigne camper sous tête en caille pour la diriger les mages. Amélie Normal. Interprétation vini des mages qui étaient des astrologues. En réalité, cette lumière était des messagers divins qui ont guidé ces premiers témoins oculaires païens à contempler le Messie ignoré par les Juifs. Et au préalable, dans la Bible. Étoile en pile-foinant Apocalypse signifie messager bon Dieu, à savoir les anges. Apocalypse chapitre 12, versets 3 et 4. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant sept têtes et dix cornes. Et sur ces sept têtes, sept diadèmes. « Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. » Amis, que dragon entraînait le tiers des étoiles Vous comprenez Lorsque Satan rebellait contre Dieu dans le ciel... Dans la révolte, il li a entraîné un tiers des anges du ciel. Bible a dit étoiles. Et ont tombé sur terre. Côté un tiers des étoiles qui sont tombées sur la terre, c'était des anges. Donc, l'inormal, C'était des anges qui étaient guidés les mages vers la demeure de l'enfant Jésus. Keep Christ in Christmas. Zami, ou pouvez phrase ça un peu partout. Ce slogan est d'origine nord-américaine, comme pour dire Mettez-nous Christ dans sa fête. Zami, en pile, le monde finit par comprendre. La naissance de Jésus n'a pas de rapport du tout avec Christmas. Et là encore, commerçant metté Christ dehors. Cette fête, vini au moyen pour Mounfekob. fèkob. Zami, même si 25 décembre, t'as le jour de l'anniversaire de Jésus, la Bible pas de jambe prévoit manifestation du tout. Quels sont les premiers bénéficiaires de la Noël? Déclarer la fête de l'amour et du partage magasin ouvri en pile monde pour l'acheter et monde qui gagne magasin qui fait cob c'est juif. c'est moslem. qui pas même accepté Jésus comme messie Zami auditeur, bible dit Jésus pas table jambes la foule Esaïe 53 verset 3 méprisé et abandonné des hommes homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. Zami, Bible en dit, Jésus n'a pas jamais tirer la foule. Jean, chapitre 1, verset 11. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Zami, juifs n'ont pas même accepté Jésus. Et aujourd'hui, la Noël est devenue l'admiration de tous. Païens et soi-disant chrétiens rentraient dans la logique pour y fêter la Noël alors ce que vous dit y aurait Jésus Jean chapitre 14 le verset 15 Si vous m'aimez gardez mes commandements. Chers amis auditeurs, sourez mes Jésus ses commandements pour garder la Noël. Saint Nicolas, Santa Claus, Christmas, Messe du Christ n'a rien à voir avec la naissance de Jésus. Cette fête d'origine païenne, babylonienne, est le jour de la renaissance du soleil, mais maquillée par la grande Église pour le monde païen et le protestantisme apostat. Amis, en tant que chrétien, moi même avec vous, pas une place dans la Noël. Si la Noël suscite l'admiration chez plusieurs personnes, Jésus nous a mis en garde contre de telles prétentions. 1 Jean chapitre 2 verset 15. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Les amis, malgré ces avertissements, des gens mal affermis y a désobéir à la volonté de Dieu. Chers amis, ne soyez pas troublés. Il faut que ces choses arrivent, même si on est en Pile monde a suivre l'effet de la foule. Tant pis. ou même chrétien authentique, restez loin. Matthieu 24, verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Chers amis auditeurs, nous allons terminer notre émission pour vous dire que la Noël est un commandement d'homme. Matthieu chapitre 15, les versets 3, 8 et 9. Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Verset 8. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Verset 9. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Chers amis, la Noël est une fête païenne, maquillée par la grande Église. Il n'y a pas de rapport entre le sacré et le profane. Malheureusement, dans les périodes de Noël, certaines personnes déshonorent Dieu. Chers amis auditeurs, il nous a créés libres de choisir, faire sa volonté à un prix. Et désobéir à sa voix a une conséquence néfaste. Dieu nous a ordonné d'observer son Saint Sabbat. Jour béni et consacré par Dieu pour notre bien-être physique, mental, social et spirituel. Les enfants de la rébellion font un autre choix. Le dimanche. Dieu n'a pas révélé le jour de la naissance de Jésus. Les enfants de la rébellion inventent le 25 décembre, préalablement désigné à Mitra, Dieu perse de la lumière. Chers amis, la Noël est de la Babylone spirituelle pour la babylone spirituelle le monde et les chrétiens mal affermis cependant les membres de l'église fidèle et véritable celles qui gardent les commandements de dieu et la foi de jésus rejettent les traditions humaines amis auditeurs la grande Église ne donne jamais rien pour rien. Ou mettre sûr. Gagnez un bagage qui est caché en arrière-plan. Ne soyez pas ébranlé par tout vent de doctrine. Accrochez-vous à la Bible. Mais attention, vous pouvez ne pas être dans la Babylone. Mais si vous pratiquez les œuvres de la Babylone, spirituellement, vous faites partie de la Babylone. Apocalypse 18, verset 1 à toi. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. Et la terre fut éclairée de sa gloire. Verset 2. Il cria d'une voix forte, disant, ⁇ Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Verset 3. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Amis, toutes les nations et qu'on y comprenne pour qui ça, le monde entier accepté la Noël à bras ouverts. Toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Tout le monde avec du vin babylone. Les rois de la terre, les marchands se sont enrichis par la puissance de son luxe. Moon a fait l'argent à Noël. C'est business qui intéresse. En pile n'y pas même quoi dans mon Dieu. Malheureusement, certaines personnes se sont laissées entraîner, hypnotiser et au suivre la Babylone. Chers amis, sœurs et frères bien-aimés, la servante du Seigneur a fait cette déclaration en review en 2 janvier 1900. Nous sommes encouragés à ne pas toucher ce qui est immonde, car nous deviendrions immondes en le faisant. Il nous est impossible de nous unir à ce qui est corrompu et de rester pur. Christ est l'armée céleste veulent que l'homme sache que s'il s'unit avec ce qui est corrompu, il deviendra corrompu. Moi, amis auditeurs, vous pas besoin de prendre en pile fausse doctrine Babylone. Your seul suffit se pour se corrompre. Chers amis, fuyez donc Babylone et ses œuvres afin de ne pas participer à ses péchés et de n'avoir point de part à ses fléaux. Remember, we are not followers. We must be leaders. The salt of the earth. The light of the world. Merci beaucoup. Jésus revient bientôt.